Son muchos nuestros amigos que aman la ópera, o los grandes espectáculos, o el teatro, o la música en general. Y en este caso, Vasari y Pasaporte viajaron por usted, porque estoy casi seguro que usted no va a ir a la ciudad de Metz en Francia. Puedo equivocarme, quizás lo tentemos, pero si no, hay una complicidad entre ustedes, nuestro amigo Jorge Salvat, el neurocirujano, aquel que comanda hoy en día los grandes pasos que da el Fleni. Y digo hoy en día porque también en otros años, en el tema de bien público, ellos contrataron la combinación de bien público, donación y por supuesto el Teatro Colón. Aman la ópera. Y nos vamos a ir a descubrir algo que está muy bien pensado. Porque ellos dijeron, ¿qué límites tenemos? ¿Cómo es nuestro tema? ¿Hasta dónde llegamos? Y se plantearon hacer algo muy diferente. Lo vamos a descubrir, lo vamos a participar. Le titre de l'exposition Opéra Monde, c'est vraiment la quête d'un art total et la question de comment l'opéra a pu en permanence se renouveler en tentant des expérimentations extrêmes entre la scène lyrique et les arts. Évidemment, les arts visuels, mais aussi, dans une certaine mesure, le cinéma, la danse, la performance. L'exposition ouvre dans l'entrée du musée avec une œuvre assez impressionnante qui est le King Kong qu'Amal Gorjat Chechniak a réalisé en 2007 pour la production de L'affaire Macropoulos de Janáček à l'Opéra Bastille. Ce King Kong qui mesure 11 mètres de haut est la plus grande réalisation scénographique jamais faite pour une salle d'opéra. L'exposition n'est pas chronologique, elle n'est pas exhaustive, mais elle est pensée véritablement comme un spectacle ouvert qui est fait de différentes scènes ou actes, mais avec véritablement cette sensation du rythme. Et un exemple très très intéressant, c'est celui de Roland Topor, qui va intervenir lui aussi à l'opéra et va donner sa vision totalement ubuesque et décalée du grand macabre de Ligeti. Le compositeur dira d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie que c'est la seule production qui ressemble exactement à ce qu'il souhaitait dans sa création d'opéra. Une œuvre très forte de l'exposition qui fait partie d'une grande séquence intitulée Je veux construire un opéra et celle de Christoph Schlingensief qui avait cette magnifique phrase où il disait le plus beau chant d'opéra c'est le cri d'un nouveau-né. Et à travers son village opéra qui est à la base comme une sorte d'utopie mais qui est devenue réalité, il a tenté de faire sortir l'opéra de la salle de spectacle pour créer véritablement une passerelle directe entre l'art et la vie. Et je pense que c'est vraiment un exemple pour nous et pour l'avenir de cette forme qui reste encore fortement cantonnée à un certain cadre et qui pourrait s'ouvrir à d'autres cultures.